Vous savez quoi? Je viens de terminer le livre Love Me Tender de Constance Debray. Dans son roman précédent, Playboy, Constance Debray raconte comment elle est tombée amoureuse d'une femme et comment elle a envoyé promener 20 ans de vie conjugale, une vie un peu plan-plan de mère de famille et d'avocate parisienne. Dans ce nouveau livre Love Me Tender, elle raconte qu'elle a demandé le divorce à son mari et dès que cela a été fait, il l'a empêché par tous les moyens de voir leur fils Paul qui a 8-9 ans. Donc d'un côté, il y a le langage cru de Constance Debray qui raconte ses conquêtes féminines. Elle rencontre une multitude de filles, elle veut vraiment s'adonner à fond à son homosexualité. Et elle a plus rien, elle squatte à gauche à droite, elle s'est débarrassée de tout bien matériel pour s'adonner à l'écriture. Et puis de l'autre côté, elle essaye de maintenir le lien avec Paul. Et puis elle raconte tous les efforts qu'elle fait, les compromis, les tentatives ratées. Et c'est vraiment touchant parce qu'on ne comprend pas très bien la décision juridique qui l'empêche en fait de garder le lien avec son fils. Donc je pense qu'il faut passer au-dessus de ce langage cru qu'elle utilise pour raconter ses conquêtes et ne garder, en tout cas pour moi, ce qui est important, c'est le côté bouleversant de ce lien déchiré avec son fils Paul. C'est Love Me Tender de Constance Debray.